tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur des cadeaux qui m'ont été envoyés par des abonnés. Donc, je m'excuse auprès des filles qui m'ont envoyé les cadeaux parce que ça fait un moment que j'aurais dû faire cette vidéo et j'ai tout simplement pas trouvé le temps. J'ai eu plein d'autres vidéos plus ou moins urgentes à faire avant. Donc, du coup, je fais cette petite vidéo maintenant. Je vous remercie énormément. Des cadeaux que vous m'avez offerts et c'est pas parce que j'ai pas fait la vidéo tout de suite que ça m'a pas intéressée, mais c'est que j'avais vraiment des choses super urgentes à faire avant et comme je vous ai promis, je fais la vidéo maintenant, voilà. Alors si ça vous intéresse, et ben je vous laisse continuer à regarder cette vidéo. Alors, tout d'abord, j'ai reçu dans une lettre Max de la part de Chloé, donc c'est mademoiselle... Mademoiselle Fimoteuse, il me semble son pseudo, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et j'ai reçu un cadeau de sa part dans une lettre Max. Alors elle me l'a envoyé il y a super longtemps, ma pauvre bichette Chloé. Je t'ai pas oublié, je t'avais dit que je ferais la vidéo. Donc la voici, elle m'a écrit un mot mais tellement adorable. Voilà, donc vraiment merci merci Chloé. Et je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a envoyé. J'avais déjà regardé bien évidemment, mais j'avais pas d'effet pour pouvoir faire la vidéo sans problème. Voilà, mais elle m'a super gâtée. Alors, donc en fait, c'était super bien emballé dans du papier bulle. Et après, il y avait deux petits pochons comme ça qui sont méga remplis. Alors, dans un, j'ai deux barrettes comme ça, clic-clac, à customiser. Je peux coller une créa ici. Après, j'ai plein de rubans. Donc, dans les violets, comme ça, j'adore ce genre de couleur. Donc là, c'est un violet un peu lilas, un ruban satin. Et là, c'est de l'organza violet. Alors là j'ai des breloques. J'avais juste regardé vite fait, j'avais pas vraiment fait le détail. Et déjà par exemple ces breloques elles sont extra. C'est des breloques clés tête de mort. Je les trouve géniales, vraiment merci Chloé. Et là il y a deux breloques peace and love et une breloque love. C'était trop adorable. Ça me fait super plaisir, surtout que je n'avais pas... les breloques Peace and Love, je les avais, mais les breloques tête de mort, je ne les avais pas. Clés tête de mort, je ne les avais pas, je ne les connaissais pas du tout. Alors là, tu m'as envoyé de la chaîne B. Je pense qu'on a dû en discuter, que moi, on avait dû en discuter ensemble, que moi, j'avais pas de chaîne B. Putain, mais tu m'en as envoyé une quantité, mais juste astronomique. T'es trop, trop adorable. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de chaîne B. Je t'en remercie mille fois. C'est super, super adorable de ta part. Voilà. Et ensuite, là, j'ai d'autres rubans. Donc, ruban blanc avec des cœurs et rose à pois blanc. Et dans le fond, il y a des petites tranches de canne. Voilà, canne kiwi. Et là, dans l'autre petit pochon, dessus, t'as mis un petit nœud. Ça fait trop mignon. Je vais l'enlever et je le récupérerai pour m'en servir pour faire des créas. Tu m'as mis plein, plein de nœuds. Hein, mais... Oh, trop mignon. Oh, c'est adorable. Tu m'as mis une petite Hello Kitty comme ça. Oh, j'ai essayé de la mouler. Ouais, je vais essayer de la mouler. Oh, c'est trop adorable. Merci. C'est trop, trop chou. Donc là, j'ai un nœud rose comme ça. Je pense que tu l'as fait toi-même. Il est très, très bien fait. Là, j'ai un nœud rose à pois blanc. Un nœud violet à pois blanc. J'en ai encore plein, 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 plein. Un nœud un peu vert à pois blanc. Bleu turquoise à pois blanc. Non, ça c'est pas bleu turquoise. Ça, c'est bleu turquoise. Donc ça, c'est bleu ciel. Bleu très, très clair. Vichy bleu. Vichy rouge. Marron à pois blanc. Vichy noir. Un nœud rose pastel, un nœud bleu. Là, je vois des trucs qui me font trop trop plaisir. Oh, trop mignon. Alors franchement, ça me touche énormément, mais vraiment vraiment énormément. Tu m'as envoyé une paire de boucles d'oreilles en fait.
C'est une création que tu as faite, donc je pense que ce sont des pêches ou des abricots. En tout cas, c'est trop trop joli. Elles sont très 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 bien faites. Vraiment, félicitations, je les adore et je les porterai sans aucun problème. Tu m'as aussi envoyé une paire de boucles d'oreilles Donuts, qui sont vraiment très mignonnes. Regardez, donc en fait, c'est des donuts avec des microbilles dessus, glaçage au chocolat. Voilà, elles sont super chaudes. Tu m'as envoyé un support de bague. 1, 2, 3, 4, 5 attaches mousquetons comme ça. Encore un nœud. Deux embouts griffes. Un bracelet. Trois fermoirs. Une paire de crochets comme ça, la boucle d'oreille américaine. Alors, Chloé, je te remercie vraiment énormément. Ça me touche beaucoup tout ce que tu m'as envoyé. Les petites créations sont magnifiques. Continue bien à faire de la fumo parce que il me semble que tu en fais depuis pas longtemps et tu es vraiment douée. Vraiment, 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 merci mille fois pour tout ce que tu m'as envoyé. On passe au colis suivant. Donc ça, c'est de Audrey la Pestouille. Je sais plus si t'as une chaîne YouTube. Grosse interrogation. Donc Audrey, quand tu regarderas la vidéo, as-tu une chaîne YouTube? Si oui, dis-le-moi en commentaire et je mettrai le lien en barre d'infos. Trop drôle, elle m'a écrit un mot, un petit mot comme ça sur un billet. Enfin, ça fait un peu un billet, donc ouais, un billet de 1$ en gros. Un petit mot sur un billet de 1$, c'est trop drôle. Ah oui, en fait, il y a dû avoir un petit trou dans le paquet parce qu'en fait, je me retrouve avec plein de perles au fond du. Plein de perles comme ça là. Enfin, c'est pas des perles, c'est des espèces de strass comme ça. Je me retrouve avec plein au fond du paquet, donc il faudra bien que je les récupère. Sachant que je me suis dit que ça, je pourrais en faire largement des glaçons en fait. Oui, c'est des trucs comme ça. Et que je pourrais largement en faire des glaçons. Voilà. Donc, j'ai tout reçu dans un gros colis comme ça. Pareil, elle m'a ultra gâtée. C'est pas mon anniversaire. Enfin, d'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire. Le 19 octobre. Donc, dans à peu près 2 semaines. J'ai trop trop hâte. Que j'adore. Quand c'est mon anniversaire, j'adore avoir plein de cadeaux et tout. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai une revue sur mes cadeaux d'anniversaire. Donc, si une revue sur mes cadeaux d'anniversaire vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire et je vous ferai ça. Voilà. Alors, déjà, j'ai eu plein de rubans. Donc, ils sont super beaux. Et là, tu m'as envoyé 25 mètres de finilon. Et je pense que c'est complètement neuf. Ouais. C'est complètement neuf. Donc, t'es trop adorable. Ça va beaucoup me servir. Ensuite, j'ai un ruban avec des bouches comme ça qui est trop beau. Voilà. En plus, les bouches, elles sont en velours. J'ai un ruban avec des fleurs. Donc bon, c'est un peu passé la période des fleurs, mais je le garde bien précieusement pour l'été prochain pour faire des libertines. Là, un vichy noir, je n'en avais pas, c'est génial. Et un organza bleu roi, comme ça, il est trop trop beau, j'adore ce bleu. Voilà. Non mais je suis trop trop gâtée. Ah, il y a aussi un petit bout de ruban comme ça avec des cœurs. Deux bâtons de sucette. Non, même trois, quatre, voilà. Non, il y en a beaucoup plus. Allez, je vais tous les sortir. Ouais, voilà, c'est bon. Alors, 1, 2, 3. 7 bâtons de sucette, exactement. Alors là, tu m'as envoyé du ruban, mais super épais. Il est très très beau. Ça, je trouve que ça fait un peu Noël. J'essaierai de le garder. Ah oui, en plus il y a du fil de fer dans les. C'est pratique ça. J'essaierai de le garder pour Noël et je pense que j'arriverai à en faire quelque chose de sympa pour les fêtes. Peut-être pas forcément pour des créations, mais je sais pas, pour décorer ma table ou un truc comme ça. C'est toujours super sympa d'avoir de quoi décorer. Ici, des sequins blancs.
Enfin, je sais pas vraiment si ça s'appelle des sequins, c'est plutôt des perles plates, enfin, je sais pas. En tout cas, c'est blanc et c'est très très sympa. Là, je crois que ce sont des biplates. Alors ça, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être pour décorer ma table de Noël, ouais, si je fais dans les blancs, blancs argentés. Ici, ce sont... Alors... Pas des microbilles, mais on dirait du faux sucre noir. Ouais, du faux sucre noir pour faire un cupcake Oreo, par exemple, ce serait sympa. Là, j'ai un petit sachet avec des perles, des breloques. Ouais, très très joli. Tu m'as même mis une petite création, un petit nounours Haribo. Voilà, regardez, des breloques, des jolies perles. Là, il y a un fermoir de ce genre-là, j'ai jamais testé. Hop là, comme ça. Voilà. Et tout au fond du sachet, eh bien, il y a les espèces... Il y a des sequins, un petit bout de ruban bleu turquoise. Et les espèces de trucs là que je vous ai montré qu'il y avait au fond de mon colis aussi. Dont je me servirai très certainement pour faire des glaçons. Voilà. Donc, je te remercie vraiment énormément pour ce colis qui me fait très très plaisir. Tu m'as beaucoup gâtée. Les filles, je vous remercie vraiment vraiment toutes les deux de ces cadeaux, et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui me laissent des commentaires, qui aiment mes vidéos. On est plus de 7000 maintenant sur la chaîne, enfin vous êtes plus de 7000 à vous être abonné à Délices Fumo de Lolo, et franchement ça me fait super plaisir. Et pour vous remercier, je vous prépare quelque chose pour fêter les 1 an de ma chaîne. J'en dis pas plus, mais je vous prépare une surprise, et je vous fais tous d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.